Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview partenaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Béchir Sebaï, fondateur de la société ACG Cybersécurité. Bonjour Béchir. Bonjour Farah. Donc tout d'abord, Béchir, est-ce que tu peux nous présenter ACG Cybersécurité? Donc ACG Cybersécurité, tout simplement, c'est pour dire audit, conseil, gouvernance en matière de cybersécurité. On est pure player en cybersécurité. Ça fait maintenant, on va dire, plus que 4 ans qu'on existe. La société a été créée en 2019. Aujourd'hui, ACG Cybersécurité se positionne donc sur le marché français, notamment européen en matière de cybersécurité. Aujourd'hui, on est 30 collaborateurs. On est résident au sein de Campus Cyber, on est membre associé de Campus Cyber. Nous avons aussi pas mal de labels et pas mal de certifications pour donner donc la légitimité à la société ACG Cybersecurity. Donc on est certifié ISO 27001, notamment pour tous les services de ACG Cybersecurity. Nous avons aussi le label Expert Cyber de Cyberglobe Malveillance. Nous avons aussi le label France Cybersécurité de l'ACN. On est aussi membre de l'association ACN, notamment donc de CIFSIS, l'association de cercle des femmes en cybersécurité. Ça fait plusieurs références aujourd'hui. Donc on est fier d'avoir plusieurs références avec plusieurs clients de grande taille. Et l'aventure continue aujourd'hui au sein d'ACG Cybersécurité. Très bien, ok. Alors, merci pour ces explications. Moi, je voulais un petit peu entrer plus dans le détail sur la partie notamment technique, sur ce que vous faites au quotidien, sur de la cybersécurité. Et d'autre part, j'aurais voulu que tu mettes un peu en avant aussi les points forts d'ACG par rapport à vos concurrents sur le marché. Donc, pour revenir sur l'expertise d'ACG, aujourd'hui, donc ACG propose un catalogue de services assez large, notamment sur la partie conseil. On fait l'accompagnement à la mise en place de la norme ISO 27001 SMSI. Nous avons aussi de l'expertise sur la partie audit. Donc, on fait donc l'audit organisationnel et notamment l'audit technique à travers les tests d'intrusion. Nous avons donc une offre RSSI partagée. Nous avons innové aussi, on a proposé RSMSI partagé, donc le responsable du système de management de la sécurité de l'information. Nous avons aussi de l'expertise sur la partie continue d'activité et gestion de crise à travers donc la norme ISO 22301 et notamment sur les services managés, donc tels que le micro-SOC, etc. Et du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer ce qui vous différencie un peu de vos concurrents et notamment en termes de formation chez ACG? Très bien. Donc aujourd'hui, ACG Cybersecurity, elle a l'expertise en matière de conseil. Donc on accompagne donc toutes les structures de toute taille pour la mise en place et l'implémentation de la gouvernance en matière de cybersécurité sur la base des normes internationales telles que l'ISO 27001, 27002. En termes de management des risques, on cite la norme ISO 27005. En termes de continuité d'activité, on cite la norme ISO 22301 avec d'autres référentiels tels que le NIST, etc. Donc, ce qui fait aujourd'hui, on a une expertise très pointue sur la partie gouvernance d'une façon globale. À part ça, donc on a de l'expertise sur l'aspect technique. Donc on arrive à accompagner les sociétés pour la mise en place des process, la réalisation des audits, notamment sur tout ce qui est formation. Aujourd'hui, on a un centre de formation qui est certifié Calliope. On a un catalogue de formations assez large, des formations à la fois certifiantes, non certifiantes. Et puis voilà, donc aujourd'hui, ACG donc, reste quand même une société qui offre donc, de l'expertise pour toute taille d'entreprise, que ce soit des PME, des TPE, etc. Oui, exactement. Effectivement, ce qu'il faut vraiment ressortir, c'est que le fait que vous êtes tous effectivement experts voilà, sur la partie cybersécurité. Parfait. On va rentrer un peu plus dans le détail pour que ça soit un peu plus concret, notamment au niveau des projets. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de 2 ou 3 projets au sein de la société? Alors, on a plein de projets. Comme je t'ai dit tout à l'heure, donc, on existe depuis 2019, donc on a dépassé donc, les 200 projets à ce jour. Mais je peux citer par exemple un projet avec Freelance qu'on a pu gagner ensemble, c'était dans le ministère de la Santé. Notamment, je peux citer aussi des projets
au sein de BPI France, on va dire aussi donc des projets auprès de Crédit Agricole, Bouygues Télécom, voilà donc. Mais je peux dire aussi que parmi les projets qu'on a des belles références aujourd'hui en matière de l'implémentation de l'SMSI, parce que il faut savoir que la norme ISO 27001 reste quand même une norme pas aussi simple de l'implémentation. C'est-à-dire pour arriver à maturité, arriver à une efficacité au sein de l'entreprise. Et si je prends l'exemple d'un de nos clients qu'on est fier de l'avoir accompagné, je cite à l'international, en Afrique, c'était l'Ecobank. Donc l'Ecobank RDC, c'était un projet passionnant parce que, sincèrement, ça démontre aussi l'expertise française. On a pu accompagner la banque jusqu'à la mise en place et la certification de la norme ISO 27001. Je cite aussi Lucas, c'est une société française très connue aujourd'hui sur le marché. On les a accompagnés pour l'obtention de leur certification. Et on a d'autres projets sur la mise en place des référentiels tels que le NIST, l'avoir la gouvernance, comment mettre en place une stratégie cybersécurité, donc améliorer le niveau de maturité, faire face aux cyberattaques. Donc ce sont des projets d'actualité. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est qu'on a vraiment des belles expériences en matière d'accompagnement des sociétés. Très bien, parfait. Alors du coup, on va rentrer encore plus dans le vif du sujet, parce qu'actuellement, on voit beaucoup de problématiques, notamment suite à tout ce qui est cyberattaque, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Est-ce que toi, tu pourrais aussi nous en parler de ton point de vue ? Alors effectivement, comme tu viens de dire, tout le monde est conscient aujourd'hui de l'évolution des cyberattaques. Oui. Aujourd'hui, donc l'évolution, l'explosion donc des cyberattaques. Je prends notamment le secteur de santé à travers les hôpitaux. Malheureusement, l'année 2022 a été marquée par le nombre des cyberattaques et par rapport les ransomware. Une augmentation, on va dire, les chiffres. Donc on estime l'augmentation par rapport à l'année passée, c'est à peu près 500%. Et aujourd'hui, on est en 2023. Tout le monde, donc, on va dire que les taux vont encore augmenter. Ce qui se passe aujourd'hui à travers donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc, on est dans un cyberespace malheureusement très très vulnérable. Les cyberattaques sont de plus en plus sophistiquées. Les hackers donc continue donc à innover, continue à sophistiquer en fait les scénarios. Donc ce qui fait aujourd'hui, il faut avoir la conscience que toute entreprise, sans exception, franchement, elle est concernée par les cyberattaques. Et il faut vraiment avoir une maturité parce que la cybersécurité, on le dit toujours, c'est pas un outil, c'est pas une solution, c'est toute une stratégie, c'est toute une gouvernance. C'est pour cela, en novembre 2022, donc on a eu donc la directive NIS 2 qui est sortie pour pousser donc les sociétés à améliorer et avoir des exigences plus sévères en matière de sécurité de l'information. C'est tout un chantier parce que on ne cesse pas de le dire, mais sincèrement, il faut avoir la conscience auprès du top management. Donc les sociétés aujourd'hui doivent investir dans la cybersécurité parce que les cyberattaques coûtent très cher aujourd'hui. Oui. Donc, et on l'a constaté durant, malheureusement, donc la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, donc aujourd'hui, tout le monde doit être conscient par la cybersécurité, les enjeux de la cybersécurité. Oui. Oui, effectivement. D'où l'enjeu de bien protéger son système informatique pour toutes les sociétés de petite et grande taille. Tout à fait. Ok, super. Merci beaucoup. On va terminer avec les projets, l'actualité, les projets sur 2023 de ACG Cyber Security. Ce qui est prévu, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Alors en fait, pour 2023, ça s'annonce très bien, sincèrement. On est très content parce que on reçoit de plus en plus des demandes. On s'ouvre aujourd'hui donc à l'international, donc avec la création des antennes donc dans le monde, donc notamment donc en Europe, en Afrique et en Asie.
Comme c'était annoncé, donc la sortie des normes telles que la 27001, la 27002, la 27005 en version 2022, donc il y a tout un chantier aujourd'hui. ACG, elle a fait le nécessaire, donc on est en train d'accompagner les sociétés, nos clients pour se conformer par rapport à cette nouvelle norme. Notamment, on a lancé donc notre propre micro-socle. Oui. Pour proposer donc notamment des services managés. On a pensé donc aux PME. Malheureusement, comme tu le sais très bien aujourd'hui, les petites sociétés n'ont pas les budgets, oui. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les ressources. Aujourd'hui, on parle d'une pénurie de talents. Oui. C'est pour cela aujourd'hui, ACG propose des services managés, propose aussi des RSSI partagés et notamment des RSMSI partagés. Donc, en termes d'actualité, c'est ça vraiment nos targets, c'est vraiment de s'ouvrir de plus en plus donc à l'international, de pouvoir aussi renforcer nos équipes. Nous avons, nous estimons que nous serons d'ici la fin d'année 50 collaborateurs. La famille, on va dire, ACG Cybersecurity grandisse donc chaque jour. Et nous avons aussi donc des clients qu'on va essayer de les faire certifier durant l'année 2023 pour avoir plus de références en matière de SMSI. Et notre positionnement surtout donc au sein du campus cyber, ça va beaucoup nous aider pour pouvoir répondre aux demandes et aux besoins du marché en matière de cybersécurité. On va terminer sur le mot de la fin. Je te laisse la parole. Merci Farah. Donc encore une fois, merci pour l'invitation. Je tiens aussi à mon tour de remercier donc toute l'équipe de ACG Cybersecurity, nos collaboratrices et nos collaborateurs pour le travail qu'ils ont réalisé donc durant les années depuis la création de l'entreprise. On a une belle ambiance, on a une belle équipe. Donc j'espère que ACG va encore grandir et on va atteindre donc nos objectifs en matière de nombre des collaborateurs. Espérons bien que l'objectif soit atteint. Merci encore une fois et à bientôt. Au revoir. Merci à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle interview partenaire. N'hésitez pas à visionner les précédentes sur notre chaîne YouTube et le site freelance.com. Merci.